Donc, le conseil municipal s'est réuni ce matin. Et comme vous l'avez dit, il y a eu quelques jours, et compte tenu de. Vous avez parlé du climat politique, mais je pense que ça ne se ressent pas beaucoup quand même au niveau de notre conseil municipal. Et je pense que peut-être même c'est le climat qui a un peu passé. Si vous regardez, pendant le vote du budget, je n'étais pas là, mais le budget a été même voté à l'unanimité. À mon insu. Donc, quand vous regardez les deux qui ont voté contre, c'est le vote du code administratif, où le maire n'est pas absent. Parce que le vote du code administratif, le maire quitte la salle. Il y a eu deux contre. Sinon, les autorisations spéciales, il n'y a pas eu de vote contre, il y a eu des abstentions, entre 3 et 4. Voilà, et je salue la présence massive des conseillers. Et je pense que c'est pour la première fois qu'on a battu ce record de présence après l'installation du conseil. Et je pense aussi que l'effet même de donner quelques indemnités au conseil aussi a quand même joué son rôle. Et je félicite le ministre des collectivités territoriales, le gouvernement du Sénégal d'avoir vraiment pris ce décret. Donc, c'est ça que je voulais dire, faire comme lecture. C'est le déroulement du conseil, vous avez vu, il y a eu moins de questions. Mais c'est vraiment à saluer. Le travail a déjà démarré, vous avez vu, les jardins sont là. C'est 8 mois. C'est 8 mois. Et le coût, c'est 1,2 milliard. 1,2 milliard, 1,198 milliards, c'est environ 1,2 milliard. Je pense que c'est un projet pilote, c'est rare de voir. Un projet comme ça pour une commune à partir du FERA. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir réaliser ce projet-là. Et tout le projet a démarré et nous espérons que ça va. Et ça, c'est la deuxième phase. Il y a déjà une troisième phase parce que là, c'est 3 km et quelques qu'on va réaliser sur les 10 km. Quand on va terminer sur les 3, on va encore initier un autre projet de 5 km. Et nous allons aller à la tour du maintenant qui réalise les 10 km au total pour la deuxième sur la deuxième phase.